Bonsoir à tous. En direct de Lille pour une soirée théâtrale un peu particulière puisqu'elle va se dérouler dans un cabinet de psy. Je vous écoute, c'est le titre de la pièce de ce soir. Première pièce écrite par Benabar, oui, l'auteur, compositeur, interprète de chansons à succès qui a écrit la pièce ce soir. Et il est en collaboration pour cette pièce avec Hector Caballo-Reyes. Alors ce soir, non seulement Benabar est à l'écriture, mais vous allez le retrouver aussi sur scène dans le rôle du psy. Et face à lui, il aura David Mora, que tous les téléspectateurs fidèles de la série sur M6 Scène de ménage connaissent très bien. Il est aux antipodes de son rôle de Fabien dans la série, puisque ce soir, il campe un cuisiniste, un tantinet nerveux, un tantinet agressif, limite psychopathe quand même, hein, il faut bien le dire. Alors, quelle est l'embrouille entre les deux? Forcément, c'est à cause d'une femme, campée par la délicieuse Sarah Biasini. C'est Isabelle Nantier qui est à la mise en scène, avec tout le sel et le peps qu'on lui connaît. Alors, ce sont des retrouvailles entre Isabelle Nantier et Bruno Benabar, puisqu'ils s'étaient déjà croisés. Isabelle Nantier avait mis en scène le comédien lors de ses premiers pas sur les planches. C'était en 2011, dans la pièce « Quelqu'un comme vous ». Le duo David Mora-Benabar est explosif, à plus d'un titre, mais ça, je vous laisse le découvrir ce soir. Passez une excellente soirée sur Paris Première. Oh non, merde, non! Bonjour! Vous avez vu qu'il y a une coupure d'eau la semaine prochaine? Pardon? Mardi. Ils vous coupent l'eau entre 11h et midi. Ah, merci. C'est marqué en bas. Merci. Bah, notez-le. Oui. Asseyez-vous. Alors, par quel biais êtes-vous arrivé jusqu'à moi? Médecin traitant, annuaire, recommandation? Pas très lumineux, hein? C'est les deuxièmes étages, ça. Il est bien le pressing en face? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Bah déjà, me dire si le pressing est bien en face. Vous avez jamais installé un costume? Même sans faire exprès? Il est bien. Alors c'est là que le client s'allonge? Le patient. Et oui, s'il veut, mais il peut aussi rester assis ou bien s'asseoir au bureau. Enfin, l'essentiel étant qu'il se sente en confiance pour pouvoir formuler les raisons de sa venue.
C'est là qu'il vous raconte ses petites histoires. Petite, qu'est-ce qui vous amène? Vous êtes locataire ou vous avez acheté? C'est un ancien appart d'habitation ici, non? Il y a une cuisine. Pourquoi cette question? C'est votre voiture, la vert foncé en bas. C'est le modèle hybride. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est ma voiture? Je sais pas, ça fait voiture de psy. Voiture de psy. Le côté moitié électrique, moitié essence, pas franc du collier, faux cul, je sais pas. C'est pas donné une voiture comme ça. Hein? Remarquez, vous faites beaucoup de blagues. Comme beaucoup de mes confrères, je suis payé en espèces. Oui, ça permet aux patients d'évaluer le prix qu'il est prêt à donner pour le temps qu'il s'accorde. Tout en liquide, comme les dealers. Et le coffre, là, c'est pour mettre le cash? Ça, c'est une antiquité pour décorer. Ranger les papiers, je vous écoute. Le truc avec le black, c'est qu'il faut quand même en déclarer un petit peu. Hein. Faut pas non plus les prendre pour des cons, les mecs du fisc. Et vous faites quoi comme métier? Je bosse pas au fisc, rassurez-vous. D'ailleurs, je m'en fous de votre baraque à la campagne. Qui vous dit que j'ai une maison à la campagne? Oh, les Parisiens, dès qu'ils ont un peu de pognon, ils achètent une baraque à la campagne. Hein. Bon, alors je vous serais reconnaissant de bien vouloir en venir à votre cas parce que j'ai d'autres patients. Hein. Ah, pas beaucoup. J'ai pas eu de mal à avoir un rendez-vous. Hein. Oui, le mardi, c'est calme. Hein. Le mercredi et le jeudi aussi, visiblement. Pourquoi ça marche pas? C'est pas mal situé, pourtant. Bon, ben, on va considérer que la séance est close, hein, et je vous propose de revenir vers moi quand vous sentirez réellement le besoin de vous engager dans un processus thérapeutique. Hein. Allez. Ma femme est partie. Ah ben, c'est bien, ça. Je veux dire, c'est quelque chose sur quoi on peut travailler. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? La tristesse. Du dégoût, de la colère. 8 ans qu'on était ensemble, et d'un coup fini, elle me plaque. Je me demande comment je vais vivre sans elle. D'ailleurs, je sais même pas si j'en ai envie. Encore si c'est elle qui avait pris la décision toute seule, je pourrais éventuellement l'accepter. Mais qui aurait pris la décision si ce n'était... Une espèce de beau-parleur qui l'a manipulée. Il lui a fait un genre de lavage de cerveau pour qu'elle m'aime plus. Vous lui accordez... Beaucoup de pouvoir à ce beau parleur. Celui de foutre ma vie en l'air, ouais. Au début, je me rendais pas compte. Trop gentil, trop con. Elle le voyait une fois par semaine. Je me disais que ça pouvait pas lui faire de mal. Ah oui, vous êtes très ouvert. Pas trop, non. Mais après tout, si ça peut aider. C'est vrai que pendant un temps, elle était plus détendue. Elle disait que ça lui remettait les choses en place à l'intérieur. Enfin, c'est dur de vous dire les choses comme ça, non? Mais je m'en foutais, je pensais pas que ça durerait, qu'elle y prendrait goût. Et ben, ça fait 2 ans qu'elle le voit et résultat, elle se barre. Qu'est-ce que vous ressentez, mais... par rapport à lui, cette fois? Une grosse envie de lui faire péter une grenade dans la gueule. Ah oui. Radical, hein? Quand je pense qu'en plus, j'ai payé pour qu'elle me quitte. Payé. Développer payer. Ben, payer, du verbe payer. Je lui donnais de l'argent. De l'argent. Et sans ça, il l'aurait jamais prise. Il fait pas ça gratos, le gars. Vous êtes conscience que c'est de la prostitution? Ah, bah, je suis bien d'accord avec vous. Enfin, vous êtes sûr que c'est vraiment sain de payer l'amant de sa femme? C'est pas son amant. Vous appelez ça comment, vous? Un psy. Un psy? Deux ans que ma femme vient vous voir. Et vous lui mettez dans la tête de se barrer. Christelle Fabre, vous voyez? Une belle blonde, grande. Oui, oui, je vois. Eh ben, c'est ma femme. Enfin, ex-femme maintenant, grâce à vous. D'où l'envie de vous faire péter une grenade dans la gueule. Alors, on va en rester là pour aujourd'hui. Hein. Alors, moi, je suis content parce qu'on a bien avancé, là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous aiguiller vers un confrère, parce que je vais pas pouvoir prendre en thérapie deux membres d'une même famille. Restez assis! Ok, mais pas de geste brusque, hein. Vous avez foutu la merde dans mon cou. Non, je crois pas que l'on puisse... Alors vous allez réparer vos conneries! D'accord, mais il faut rester calme. Ah, mais je suis parfaitement calme. Bah, c'est bien, parce que moi je suis de votre côté, moi. Non, pas exactement, non. Vous avez fait partir ma femme.
D'ailleurs, vous allez la faire revenir. Sinon, je fais tout péter. Non, non, on va s'en occuper. Votre femme va revenir. Vous allez vous remettre ensemble. Mais pour ça, préalablement, vous devez me laisser vous aider. Non, je vais vous donner un petit quelque chose. Vous allez voir, c'est très léger, ça ne fera rien. Non, faut arrêter de me parler comme un débile. Vous allez pas me défoncer avec vos médocs, là. Non, mais vous savez, un comprimé, vous pouvez voir ça comme un outil, hein, pour vous permettre d'avancer vers la solution. Hein. Vous savez quoi? Je vais vous en donner trois d'un coup, comme ça on va aller trois fois plus vite vers la solution. Je vais rien voir du tout. Ok. J'ai tout ce qu'il faut, je suis parfaitement à l'aise. Alors la solution, on va la trouver ensemble, vous et moi. Moi, je vais vous aider. Je vais faire quelque chose pour vous, mais vous, il faut que vous fassiez quelque chose pour moi. Ce que vous allez faire pour moi, c'est que vous allez délicatement poser cette grenade sur le bureau, comme ça, il n'y aura plus cette barrière entre nous. Hein. Barrière? Bah oui, vous, moi, la grenade, vous n'avez pas envie de blesser quelqu'un? Ah, blesser, c'est pas le terme exact, hein. Blesser, c'est avec un canif ou du verre cassé. Ça, c'est une grenade. On est plus sur de la façade éventrée, des vitrines soufflées, vous voyez, c'est le cran un peu au-dessus, quoi. Donnez-la à moi, vous allez vous sentir beaucoup mieux après, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air tendu, là. Oui, c'est pas impossible, il se trouve que j'ai pas l'habitude de négocier avec un... Un quoi? Un fou? Non, j'ai pas dit ça. Un dingue, un cinglé? Non, certainement pas, en plus, c'est pas des termes que j'emploie. Je suis pas un forcené, hein? Non, bien sûr. Bon, d'accord, j'ai une grenade, mais... Oui, mais ça, c'est pas grave, ça, c'est... Mais je suis juste un homme malheureux que sa femme a quitté à cause d'un psy, là. Putain, c'est bien. Détendez-vous. Laissez s'exprimer votre chagrin, c'est bien. Oh, posez ça. Non mais, vous savez, le thérapeute, hein, il n'intervient pas du tout dans les décisions de ses patients. C'est avant tout une écoute, une façon de décrypter le ressenti. Vous ne l'avez pas dit de prendre du recul? Non. De faire un bilan de ses émotions? Non plus, j'ai pas... De lister les obstacles qui empêchaient son... Épanouissement? Ouais. Non. Mais prenez pas pour un con! Parce qu'elle me l'a ressorti, votre blabla, quand elle m'a annoncé qu'elle se barrait. La thérapie de votre femme ne tourne pas autour de vous, monsieur. Bon, et ça suffit les conneries, hein. Ma femme, ouais. Elle était avec moi. Oui. Elle vient vous voir, elle est plus avec moi. Oui. Cherchez le connard! Ah oui. Non mais si une radio vous annonce une maladie, hein, c'est pas de la faute du radiologue. J'ai pas compris. Si une lettre vous apporte une mauvaise nouvelle, c'est pas de la faute du postier. Bon, ma femme, elle était avec moi. Oui. Elle vient vous voir, elle est plus avec moi. Cherchez le connard! Non mais si à la boulangerie y a plus de croissants, c'est pas de la faute de la boulangère. Si! Oui, enfin ça c'est un mauvais exemple, si une radio vous apporte une maladie, c'est pas de la faute du postier. Bon, stop, vous l'avez fait partir, un point c'est tout. Je sais. Non, merci. Vous êtes en train de faire un transfert. Alors, c'est un processus bien connu, hein. C'est-à-dire que vous projetez à tort des intentions sur moi, vous comprenez? Ah oui, je comprends. Mais c'est pas ça. Mais, vous menacez d'une grenade un homme que vous ne connaissez pas, et vous voulez comme par magie que votre femme revienne. Vous l'avez fait partir, vous la faites revenir. Je l'ai pas fait partir, je prends jamais position avec mes patients. Mon cul, ouais. Vous l'avez dit ou vous l'avez pas dit de prendre du recul? Oui, ça c'est possible, mais ça c'est une... Ça, c'est une phrase neutre, ça n'influence en rien. Bon, stop, ça suffit, les conneries, hein. Quand vous dites « prenez du recul », vous parlez pas de sa chaise qu'il faut reculer de 10 ou 15 centimètres. Faut être précis. Ouais. Vous savez qu'elle se demande si elle doit rester avec moi. Ouais. Donc, si vous lui dites « prenez du recul », vous dites « reculez d'avec votre mari hein ». Ouais. Et si vous dites « ne touchez à rien », ça veut dire « restez avec votre mari hein ». Ah, dis donc, c'est mon patient, 11h30, je lui dis que je peux pas le recevoir. Non, au contraire, ça va pas être fou, ça... Vous avez qu'à le recevoir. Quoi, vous voulez que je fasse la séance quand même? Ah oui. À portée de grenade? Bah oui. Mais qu'est-ce qu'on va lui dire pour vous? Rien du tout, je me cache là-dedans. Mais non, pas le placard. Oui, c'est cliché, mais efficace, hein, bon. Et je vous préviens, j'entends tout, hein. Si vous jouez au con, je fais tout péter. Ouais. Téléphone. Et pas de conneries, hein. Sinon, c'est Kinder Surprise. Ouais. J'ai compris, ouais, espèce de taré, là. Quoi? Hein? Je sais pas, oui. J'entends tout, hein. Ah bon? Ouais. Oui. Ouais. Bonjour, monsieur Girard. Bonjour.
Comment ça va depuis la semaine prochaine? Ah, ça va bien. Ça va même très très bien. Je crois qu'on a... Oh, j'adore votre fauteuil. Comment? Vous voulez qu'on sorte? Non, j'aère, monsieur Girard, j'aère. Hein. Ah, d'accord. Ben non, je disais, je crois qu'on a vraiment progressé, là, depuis quelques séances. Déjà, je vois par rapport au début, vous vous souvenez la fois où je me demandais si vous n'avez pas planqué des micros dans les coins? Non, ça va mieux, là. Je me sens bien depuis quelques temps. Je vois les choses autrement, grâce à vous, je dois dire. Ben, je prends, comme vous dites, du recul. Par exemple, si j'ai pas été mis en copie dans un email, eh ben, c'est pas forcément parce qu'ils veulent me mettre au placard. Enfin, même si je reste certain que Valesky fait tout pour me dégager, hein, ça. Plus le temps qu'il veut ma place. Mais bon, c'est une ordure, de toute façon. Mais j'ai réfléchi à ce que vous m'aviez dit la semaine dernière, et en effet, c'est pas sûr que mon chef de service me surveille tout le temps. Enfin, il me surveille, mais pas plus qu'un autre, quoi. Ou peut-être un petit peu plus, bon, parce qu'il m'a jamais aimé, mais... Oui, vous allez encore dire que j'exagère. Mais vous savez, tout le monde n'a pas un métier paisible comme le vôtre, hein. Paisible? Non, j'ai quand même de bonnes raisons de croire qu'il m'espionne. Enfin, je le vois bien, ces petits regards en coin, là. Je sais très bien qu'il parle dans mon dos avec Valesky. Enfin, je suis pas aveugle. En plus, ça, je vous l'ai pas dit, ils ont accès au serveur de la boîte. Il y a un homme dans mon placard, il me retient en otage. Ouais, je sais, vous avez raison, je suis un peu parano. Il a une grenade et menace de la faire exploser. J'ai compris le message. C'est une nouvelle méthode que vous employez, là? Vous êtes américain, ça. C'est cognitif, c'est non, ça? Non, non, il nous écoute, il est là dans le placard. Écoutez, j'ai compris où vous voulez en venir, mais en l'occurrence, je vous dis que pour Valesky, je délire pas. Il a épluché mes emails quand j'étais pas là. C'est pas une vue de l'esprit. Ne lisez pas ce message à voix haute. C'est franchement, c'est pas marrant, je vous dis. Je ne plaisante pas, il y a forcené qu'une grenade dans mon placard. Oh, c'est dégueulasse, là. Oh, c'est dégueulasse. Non, on va rester là pour aujourd'hui. Quoi, vous vous foutez de ma gueule et moi, vous voulez me foutre dehors? Pas du tout. À la semaine prochaine. Attendez, je sais, j'ai un problème, d'accord. Je suis paranoïaque. Ouais, ouais, ouais. Ok, c'est pour ça que je suis là. Mais enfin, c'est pas en se moquant des gens qu'on les soigne. À la semaine prochaine, monsieur Girard. Mais vous êtes tous contre moi, nom de Dieu. Même mon psy, tous de mèche. Non, pas du tout. C'est évacuer l'immeuble. Allez. Mais alors, on peut compter sur personne. Tous pareils, au boulot, à la maison. Même dans la rue, là. Tout à l'heure, en sortant du métro, il y a une vieille qui m'a regardé méchamment. Parfois, c'est bien d'être un peu parano, hein. Tout le monde contre moi, et maintenant mon psy, mais merde. Bon, vous allez arrêter de gémir, appeler les flics, ouais. Du fumier. Hein? Quand je pense que vous étiez la dernière personne en qui j'avais confiance, eh ben, je vous emmerde avec vos micros, là, et vos méthodes à la con. Oh, mais chaud là-dedans. Vous savez combien de temps ça m'a pris pour soigner ce patient, hein? Tout est à refaire. Et vous, vous savez combien de temps ça m'a pris pour séduire ma femme? Ouais. Pensez vraiment qu'à vous, hein. C'est un homme en grande détresse, il va se sentir persécuté maintenant. Et chacun ses problèmes, hein. C'est vous qui lui avez fait peur, là. J'ai rien demandé, moi. Ouais. Si vous aviez gardé votre sang-froid, il n'en serait pas là. C'est vous qui pensez que vous... Ben, c'est moi. Au secours, il y a un méchant dans le placard, il y a une grenade, appelez la police. Si l'occasion se représente, juste un conseil. Avant la panique, faut essayer 2-3 autres trucs, hein. Sang froid, calme, pondération, il y a le choix. Hein. Ouais, je trouve ça croustillant de recevoir des leçons de self-control de votre part. Hein. C'est sûr qu'une grenade, ça vous pose un homme. Mais vous vouliez quoi? Que je reste assis, les bras croisés, là? Ah ben, c'est ce que vous faites d'habitude, non? Enfin, quand vous n'encouragez pas les femmes à quitter leur mari... Je n'ai jamais encouragé votre femme à vous quitter, moi. Pas directement, non. En douce, perfidement, à la sartoise, quoi. Ah là? La sartoise, quoi, le truc un peu focu, vous voyez. Ça se dit, non, la sartoise? Pas plus qu'à la Seine-et-Marnaise. Pourquoi la sartoise? Je sais pas, mais j'ai connu un mec du Mans qui était une vraie saloperie. Oh là là. En tout cas, ne niez pas. Hein. Vous l'avez petit à petit éloigné de moi. Vous arrangerez ça. Hein. C'est plus confortable que ce soit de ma faute. Ah ouais, tout est plus simple. Ma femme m'a quitté, c'est de la faute du psy. Alors, je vous rappelle juste un truc. Ouais. Ça fait bien de dire psy, mais ça veut rien dire psy tout court. Hein. Ah bon? Ben oui. Vous n'êtes pas psychologue. Parce que pour ça, il faut faire des études, il faut passer des diplômes à l'université.
Vous n'êtes pas psychiatre, hein, parce que là, carrément, faut faire médecine. C'est 7 ans d'études plus une spécialité. Bref, trop dur pour vous. Et vous n'êtes même pas psychanalyste. Vous êtes psychothérapeute. C'est-à-dire un truc qui ne veut rien dire. Voilà. Sur lequel il n'y a aucune loi. Un truc que tout le monde a le droit de mettre sur une porte. Hein. Ça, c'est comme chanteur de jazz, tiens. Tout le monde a le droit de mettre ça sur une plaque devant chez lui. Chanteur de jazz? Mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, chanteur de jazz? Voilà, n'importe quoi. Ah ouais, n'importe quoi, ouais. Mais je reviens sur une chose que vous avez dite, spécialité en psychiatrie. Ouais, en médecine, on dit spécialisation. Hein. La spécialité, c'est celle du chef, l'osso buco, la tartatin, vous voyez. Par exemple, on dit pas, je vous recommande tel petit hôpital, ils font les meilleures coloscopies de Paris, on dit pas ça. Alors, je suis peut-être un bon à rien, mais j'ai des patients, bah, tiens, dont votre femme d'ailleurs, hein. Ouais, ouais, c'est elle qui vient, mais c'est moi qui paye. Hein. Vous êtes un peu mon employé, en fait. Et même pas qualifié. En fait, vous êtes un charlatan. Un escroc, un marabout. Vous dites charlatan, marabout, hein. C'est intéressant comme raccourci, parce que le charlatan, c'est un voleur, et le marabout, il est... Quoi? Ah, d'accord. Je suis raciste, je n'aime pas les Africains. Puisque vous le dites. Bon, bah, très bien. On fait dans le terrorisme intellectuel, donc je suis raciste, la discussion est close. Ça tombe bien, on était sur un sujet qui avait l'air de vous gêner un petit peu, là. Oh, non, non, je dis pas que vous êtes raciste, hein, je me permettrai pas. Vous dites juste que l'Africain est un voleur, hein, c'est tout. Quoi? J'ai jamais dit ça. Si, si, si. Implicitement. À la sartoise. Ah ouais, d'accord. Alors, ça marche peut-être avec les autres de les culpabiliser pour garder du pouvoir, mais moi, ça va, je suis à l'aise. J'ai pas besoin de me justifier. Moi non plus, hein. J'ai pas besoin de me justifier. Puis j'ai pas l'intention de débattre des mérites comparés de la psychothérapie, de la psychanalyse ou de la psychiatrie avec un... Un quoi? Je sais pas. Un ringard, un beauf? J'ai pas dit ça. J'ose émettre une réserve sur les psys, donc je suis un beauf. Eh ben non, monsieur, j'ai pas la moumoute sur le volant, ni un truc à bouboule sur le fauteuil conducteur. J'abandonne, tout est de ma faute. Voilà. D'ailleurs, je vous demande pardon pour le 17 juin. Quoi, le 17 juin? Ah bah si. Je vous demande pardon de ne pas vous avoir rappelé son anniversaire, pardon. Elle a cafeté ça aussi? Ça lui a fait de la peine, figurez-vous. Une fois, putain, une fois. Je vais le payer combien de temps? Je me suis excusé, elle vous l'a dit, ça? Ouais, elle voulait vous faire un bouquet. Ah! Un beau bouquet. Je me suis pas foutu de sa gueule. Avec un super pot. Ouais. Un inestimable bouquet de fleurs avec un super pot. Ouais. Bah, on les connaît, les femmes, pas vrai? On peut se comporter comme des mufles, c'est pas grave. Hein. Il suffit de leur apporter un bouquet acheté au coin de la rue et tout est oublié, ça les ensorcelle. C'était un gros bouquet. Ouais. Avec un gros pot. Mmh. Bah, j'espère que vous avez laissé le prix. Hein. Les femmes sont très sensibles à ça, c'est bien. Je vous rassure, c'était moins cher qu'une séance chez vous. Hein. Et on revient à moi, pas de problème, c'est de ma faute. Et quand vous oubliez qu'elle prend pas de sucre dans son café depuis 4 ans... Ah d'accord. Une thérapie, en fait, ça consiste à baver sur ma gueule. Essayez pas de comprendre en quoi consiste une thérapie, hein. Vous êtes pas équipé, vous avez pas les outils. Moi, j'ai pas les outils. Moi, j'ai pas les outils. Bon, ok, elle prend pas de sucre dans son café, j'ai oublié, ça arrive. Mais ouais, on peut oublier ses clés, on peut oublier l'éteindre dans la cuisine. Enfin, quand on commence à oublier le deuxième prénom de sa femme, c'est moins bien déjà, il y a comme une graduation dans les choses, hein. Quoi? Bah c'est quoi le deuxième prénom de votre femme? D'accord, ouais. Et si vous n'êtes pas devenu gérant, c'est de ma faute aussi? Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Bah ça, que vous n'êtes pas devenu gérant alors que vous étiez fait pour le job. Ah! Selon vous. Ah! Bah ouais, c'est vrai, j'avais toutes les qualifications requises. Hein? Ah ouais. Ça doit être un coup des Sartois, ça, c'est sûr. Bah tiens, justement, c'est le connard du Mans qui a eu le poste. Ok, alors, prenons le problème autrement, hein. Qui, dans la vie de votre femme, hein, n'est pas à la hauteur comme mari et se révèle médiocre dans son boulot, hein. Qui ça peut bien être? On fait un petit brainstorming, on cherche, hein, je sais pas, moi c'est, bah là, c'est une colle, hein, je sais pas. Peut-être, peut-être dans son entourage, non, je sais pas. Vous savez ce qu'on va chercher dans pas longtemps? C'est des petits bouts de nous, un peu partout. Bah. Non mais, je crois concernant votre femme,
Vous posez mal le problème parce que la question n'est pas pourquoi est-elle partie, hein. C'est pourquoi n'est-elle pas partie avant. Parce que quand l'autre a un coup dur, on reste pour soutenir, on planque pas tout. Alors ouais, c'est vrai, je me suis fait enfler sur le coup du boulot. Voilà, vous voulez que je vous le dise? Ça vous fait plaisir? Ouais, je me suis fait enfler, voilà. Et à la maison, au niveau du soutien, que dalle! Mais de toute façon, j'ai pas à m'expliquer devant vous. Hein. Vous commencez à me gonfler, je vais la faire péter, la grenade! Ça colle pas. Tiens, vous avez eu raison de pas refaire le plafond après le dégât des eaux, là. On se dit, c'est l'assurance qui paye, mais au final, ça fait des malus. Et puis un jour, ça explose chez soi, et le plafond, il n'y en a plus. Alors c'est con de claquer du fric pour rien. Ça colle pas, vous voulez que votre femme revienne, hein? Ben, ça colle pas. Je comprends pas. Oui, ça c'est normal. Non, vous n'allez pas faire péter cette grenade pour la bonne et simple raison, hein, que vous ne voulez pas mourir, vous voulez que votre femme revienne. Je la ferai péter que si j'ai pas le choix. Mais vous bluffez, j'en ai déjà vu des grenades comme ça aux puces. Mais qu'est-ce que ça peut me foutre? Elles n'ont plus détonateur, les marchands ils sont pas fous, ils vont pas prendre le risque de se faire exploser. Et? Et? Vous bluffez, la grenade est factice, sortez de mon bureau avant que j'appelle les flics, voilà. Factice? Ah, écoutez, foutez-moi le camp, hein. C'est le moment de vérité, on dirait. Je bluffe, selon vous? Mais j'en ai déjà vu des désespérés, vous en êtes pas un, vous êtes un agité, un aigri, un abruti, ça ouais. Mais vous n'êtes pas un désespéré. En fait, je vais peut-être vous casser la gueule avant de tout faire péter. À la preuve. Vous parlez d'en venir aux mains parce que la grenade est... Dis donc. Tenez. Merci, vous faites le bon geste, c'est plus raisonnable. Bon, et puis, vous en voulez pas d'avoir été démasqué, vous étiez pas de taille, on est formé pour ça, vous savez. Ouais, je me rends compte, hein. On vous la fait pas, vous. Non, mais ça peut marcher, hein, mais pas avec un professionnel confirmé. Je vais même vous dire, c'est quand vous êtes entré que je l'ai su. Votre pied s'agitait beaucoup trop pour quelqu'un de décidé. Le langage du corps, la communication non-verbale, ça s'appelle. C'est un métier, hein? Eh ben ouais. Dégoupillez-la. Hein? Dégoupillez la grenade, puisqu'elle est bidon. Pas besoin. Je croyais que vous étiez sûr. Bah, à tel point que j'ai pas besoin de vérifier, ouais. Petit manque testiculaire, peut-être. Soyez pas vulgaire. Ne soyez pas foireux. Mais j'ai pas la trouille, hein. Et certainement pas d'une petite goupille et d'une boule de fer vide. Bah alors, dégoupillez-la. Écoutez, j'ai pas de temps à perdre avec ces petits jeux de gamins, d'accord? Non, mais ça prend pas de temps, hein. On tire, ça fait clic et on sait. C'est marrant, vous avez les pieds qui s'agitent. C'est le langage du corps, non? Je dégoupille. Et voilà. Planquez-vous! Planquez-vous, je vous dis! Je pensais pas qu'elle pèterait aussi fort la grenade du grand-père, hein. Vous êtes complètement malade de vous parler avec une vraie grenade! Et vous aussi, de la dégoupiller comme ça, là! Mais qu'est-ce qui vous fait marrer, là? Bah, vous! Maintenant que la grenade vient de péter, vous avez plus d'armes contre moi? Allez, foutez-moi le camp, espèce de barjo. Bon dingue, ce mec. Grenade en plein Paris. Jamais dit que j'en avais qu'une, hein. C'est qui? Mon prochain rendez-vous. Et qu'est-ce qu'il a, celui-là? Celle-là, c'est une patiente. Et qu'est-ce qu'elle a comme problème? Je sais pas, c'est la première fois qu'elle vient. Excusez-moi, qu'est-ce qui nous vaut ce petit sourire intelligent, hein? Pardon, mais je suis pas familier avec le mot de forcené, moi. Elle vous connaît pas, donc? Physiquement, je veux dire. Bah non, c'est la première fois qu'elle vient, donc... Je vais me faire passer pour vous. Ah non. Vous avez devant vous, vous. Je vais la faire, moi, la séance. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que, bah parce qu'elle a vu ma photo sur Facebook, c'est pas possible. Il faut aller dans le placard. Je prends le risque. De toute façon, c'est comme ça me fait marrer. Vous plaisantez? Vous croyez que je vais le laisser faire parce que vous avez une grenade? Ouais. Ouais. Bien, faut que je me chauffe un peu d'abord. Allongez-vous là. Non. Allongez-vous là! Voilà.
Et un petit peu rapidement, quand même. Voilà. Très bien. Maintenant, racontez-moi pourquoi vous voulez coucher avec votre mère. Oh, putain! Alors, écoutez, faites-moi péter tout de suite, hein, je préfère. Hein. Si c'est pour entendre des clichés pareils, les sartois, les psys, faut me les noter, je vais pas tous les retenir, moi. Mais vous êtes un groupe, vous avez un syndicat qui vous représente, les crétins clichés. Hein? Le mépris. C'est rassurant de mépriser. Hein. C'est un doudou intellectuel, en fait. Vous dites objet contraphobique, c'est ça? Contraphobique, hein. Bravo, mon cher confrère. Je vois que vous avez fait des recherches approfondies sur Wikipédia, c'est bien. Excusez-moi de m'être cultivé un peu. Et non, réciter une définition comme un perroquet, c'est pas de la culture, ça. Vous vous inquiétez pas, hein. Vous restez le savant, moi l'ignorant, non. Pas de parano. Hein. Non. Et puis déjà, je vous en supplie, arrêtez d'employer des mots dont vous ignorez le sens. Hein. J'en peux plus d'entendre utiliser à toutes les sauces schizo, mytho, parano, hein, par des gens qui n'ont pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Hein. Moi, j'y connais rien en sport, bah, je vais pas en parler. Pour pas dire n'importe quoi, hein, je vais pas les dire, j'ai regardé Roland-Garros hier, il y avait un beau pénalty. Vous comprenez? Oui, je l'ai. Sûr, parce que... Ouais, c'est bon. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que votre mépris, j'en ai plus rien à foutre. Pierre qui roule, la masse pas mousse. Et un proverbe, hein, ben, je l'ai pas vu venir celui-là, il a pris un peu de tête. Là. Vous croyez plus intelligent que moi, c'est ça? Mais j'en suis sûr. Oh, le niveau de melon. Mais non, mais c'est juste un constat. C'est simplement des points de QI. Si vous me demandez si un champion de boxe est plus costaud que moi, bah, je vais dire oui, je vais pas discuter. Oui. Merci pour l'exemple, j'avais compris, je suis pas con. Hein. Non, pardon, hein, mais je veux vraiment être honnête avec vous parce que vous m'êtes terriblement antipathique. Hein. Il se trouve, ne vous en déplaise, que l'intelligence n'est pas un concept abstrait. C'est une chose qui doit se manifester dans les actes. La faculté d'analyse, la compréhension des événements, ça doit être perceptible. Hein. Moi, pas comprendre. Bah, vous me dites que vous êtes pas con, hein. Moi je veux bien, mais c'est très bien imité. Ah non, non, vraiment. On s'y tromperait, hein. Ah, c'est... Toc, toc, elle va s'impatienter cette pauvre femme. Allez, si monsieur veut bien se donner la peine... Vous avez pas l'intention de m'enfermer dans le placard? Si. Ouais, bah je refuse. Ah, commencez pas. On va parlementer, je vais m'énerver, vous allez céder. Mais non, je vais me cacher sous le bureau, je ferai pas de bruit. Non, 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 ça va me déconcentrer. Je peux pas. Mais si, il y a la place. Je peux pas, je vous dis. Oh, attendez, me dites pas, vous êtes... Claustrophobe, voilà. Ça vous fait marrer, ça? C'est marrant, ça, le psy, claustro, c'est marrant. Bien sûr, c'est marrant. Marrant, non. Je ne me réjouis pas du malheur des autres. C'est vous qui faites votre beurre là-dessus, hein. Oui. Ceci dit, c'est vrai que c'est marrant, le psy névrosé, comme quoi... Ah non, s'il vous plaît, épargnez-moi les cordonniers, merci. Faites pas l'innocent. Vous alliez dire, comme quoi, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Peut-être, je sais pas. Non, non, peut-être, je sais pas. Ben si, peut-être, je sais pas. Vous en connaissez beaucoup, vous, des phrases qui se terminent par « bala, 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 comme quoi, point. » Ouais. Ah non. Je peux avoir un petit exemple? Comment ça va? Comme quoi? Vous levez jamais le pied, vous, hein? Vous pouvez noyer le poisson tant que vous voulez, ça répond pas à ma question qui est quand même de taille. Hein. Comment un psy veut-il soigner des gens s'il n'est pas capable de se soigner lui-même? Toujours cette logique implacable, bah c'est pas si simple. Hein. Bah si, justement, c'est simple ici même. J'irai pas me faire soigner les dents chez un dentiste qui a les chicots tout pourris. C'est peut-être, un peu plus compliqué, non? Non. Non. Une phobie, c'est une carie de la tête. N'importe quoi! C'est marrant cette manie de donner tout le temps des réponses évasives. C'est plus compliqué, c'est pas si simple. Ça doit être dur au quotidien. Vous pouvez pas pour une fois faire une réponse de bonhomme. Oui, non, c'est comme ça, c'est pas comme ça! Je suis navré hein, de bousculer vos certitudes primaires et stupides. Hein, mais la discipline que j'exerce, hein, c'est un processus à long terme, c'est un cheminement. Et oui, oui, c'est plus compliqué. C'est ce que dit le plombier quand il y a un boulon à changer. C'est plus compliqué, c'est 200 euros.
Vous aimez pas les plombiers non plus, hein. Mais pour vous, un plombier sartois. Pour peu qu'il aime le jazz. C'est Belzébuth, le mec. Allez, ne faisons pas attendre Madame Machin. Au placard. Vous êtes un vrai salaud, vous. Vous avez du mal à assimiler le concept de la grenade, vous. Alors, je rappelle les grandes lignes. Je n'insulte pas celui qui tient la grenade. Vous voulez que je vous le note? Je m'ouvre à vous. Je vous fais une confidence et vous vous en profitez, là. Faux. J'avais prévu de vous enfermer avant de savoir que vous êtes claustro. Ça va être une expérience très traumatisante pour moi, ça. Taisez-vous, je peux entrer, la dame. Vous êtes méchant. Oui, objet contraphobique, tout à fait. Bonjour, madame. Vous êtes un beauf, madame. Bonjour, madame, entrez. Bonjour, docteur. Oh, vous êtes gentil, mais je ne suis pas docteur. Je suis un simple psychothérapeute. T'as la portée de tout le monde. Asseyez-vous. Je m'assois où? C'est une question de ressenti. Vous le sentez comment, vous? Je sais pas. Tenez, mettez-vous là, le canapé là. Je m'assois ou je m'allonge? Oh, vous allez un peu vite. Commencez par vous asseoir. Je vous regarde ou pas? Non, non, regardez par là. Vous dites rien? Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, je sais pas, moi. En fait, ça fait longtemps que j'hésitais à venir. Et puis, il y a 3 semaines... C'est une de vos patientes, Madame Perrier, qui... Madame Perrier? Oui, c'est une amie de longue date. Elle est cinglée, hein? Pardon? Non, je dis Madame Perrier, elle est cinglée. C'est comme ça que vous parlez de vos patients? Pose des questions idiotes. Poursuivez. Pardon, mais c'est la thérapie qui commence, là? Oui. Développez. Mais en fait, ça va pas du tout. Je crois que je suis en pleine dépression. Oh non! Non, je fais pas ça, la dépression, ça me déprime. Non mais attendez, là, c'est quoi au juste votre technique? Technique? Oui, vous êtes quoi? Breton. Mais non, non, comme si, je veux dire, vous êtes quoi? Freudien, c'est ça? Ah! J'ai ma propre technique. Le principe premier, la base de tout, c'est la rémunération. Ce que nous appelons dans notre jargon le sens unique, le « donne-moi » en liquide. Vous me parlez, vous me donnez de l'argent, et en échange, je le prends. C'est très important que ce soit à sens unique, hein. De vous vers moi. Votre argent, ma poche. Symbolique, hein. C'est difficile, attention. Faut évaluer la somme que peut mettre chaque client et ajuster au plus près. Pour ça, on fait une petite enquête, un peu de filature. Un peu de quoi? De filature. Vous plaisantez, là. Je comprends pas bien. Ah mais ça, c'est normal. Vous n'avez pas les outils. Non, j'explique. Allongez-vous là. Vous avez un patient qui a une grande maison. Et un psy qui, au début, a une petite maison. La thérapie va consister à faire en sorte que le patient ait une maison de plus en plus petite et le psy de plus en plus grande. Vous avez entendu parler du transfert en psychanalyse? Ben oui. Eh ben c'est ça, voilà. De vous vers moi, transfert. Mais toujours à sens? Unique. Précisément. Le donne-moi, quoi. Donne, donne, plus, donne. Ouais, bon, attendez, admettons. Mais le
patient dans tout ça? Ah, le patient. Ah bah, lui, il éprouve un sentiment de dépossession réelle. Profond. Ouais, je comprends, oui. Est-il plus heureux? Non. Non. A-t-il toujours le même problème qu'il avait au début? Oui. Oui. Par conséquent, son problème n'était pas lié à l'argent, puisqu'il en a moins et toujours le même problème. Je suis content, on a bien avancé. Et après? Improvisation. Improvisation. Mais analytique. Bon, écoutez, je crois qu'on va rester là. Attention, attention, attention. Improvisation ne veut pas dire improvisation au sens freudien du terme, hein, hein. Non, 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 ça signifie personnalisation. Chaque patient est différent. Chaque patient a des revenus différents. Pour vous, par exemple, je préconise, comme ça, hein, sans réfléchir, une TPV. C'est quoi ce bruit? Curieuse. Certainement frustrée. Où j'en étais? La TPV. C'est quoi? Eh bien, je sais pas, c'est votre théorie. Ah oui, la thérapie par la violence. Attendez, là. Vous n'allez pas me frapper, quand même? Non, j'ai pas le droit. Écoutez, j'arrive pas à vous cerner. Vous faites une expérience, quoi? Oui, c'est une théorie expérimentale, inspirée des travaux allemands pendant la guerre. C'est un rapport souffrance-souffrance, basé sur le mal-être, essentiellement. D'ailleurs, je vais vous faire signer une décharge. Mm-hmm. Et avec Madame Perrier, c'est ce que vous faites? Ah non, c'est du sur-mesure. Je travaille différent. Pour Madame Perrier, c'est une thérapie par la régression. L'absence d'hygiène, la privation. Et ça marche? Non. Mais il n'y a rien à faire. Madame Perrier, elle est sympa, mais vraiment dingue. Hein. Et un peu l'info, non? Elle cherche, hein, hein? Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas. Il y a quelqu'un dans le placard. Oui, oui, c'est la thérapie par l'enfermement. Prometteuse, hein. Vous enfermez des gens dans votre placard. Bon, on prend rendez-vous 2-3 fois par semaine, 200 euros. Mais vous êtes complètement malade, vous. Ok, 150. Et comme c'est la quinzaine de la névrose, pour 10 séances achetées, la 11e est gratuite. Et je vous offre un kit de survie qui comprend un paquet de Kleenex, un petit verre de sangria et bien sûr, le câlin maison. Oh là 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 là! Espèce de taré, va! Ne partez pas, madame! Je vous aime! Tranquillisant! 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 Ça va, vous? Faites pas semblant de vous inquiéter, espèce de sadique, va. Bah, les dents, pas très résistant pour un psy, hein. Merde. Et la patiente? Je l'ai butée. Je déconne, hein. Un peu d'humour fait pas de mal dans la vie. Désopilant, hein. Vraiment, on se demande pourquoi votre femme s'est barrée, hein. Le mystère s'épaissit. Non, ça va. C'était pour vous faire marcher, là. En l'occurrence, ici, c'est mon lieu de travail. Mon métier est pas super comique, vous voyez. L'humour, c'est une façon d'être. Peu importe le métier, hein. Et vous faites quoi comme métier? Enfin, à part débiter des phrases toutes faites, bien sûr. Je suis cuisiniste. Eh ben, c'est bien. Ah, d'accord. Quoi? Je suis cuisiniste, donc je suis un con, c'est ça? Non, pas du tout. Non, non, dans votre cas, con et cuisiniste sont deux vérités, mais distinctes. Ah, je les vois bien, vos petits airs supérieurs d'un télo rive gauche, là. On est Bastille, c'est rive droite. Ah, jouez pas sur les mots. Je joue pas sur les mots, c'est une réalité géographique. Un GPS, ça joue pas sur les mots. C'est comme pour votre femme, ça vous plaît pas, mais elle est partie. Eh bien, Bastille, vous désapprouvez, hein, mais ça reste rive droite. Vous transpirez la suffisance. Ouais, je suis commerçant et je vends des cuisines. Au moins, je sers à quelque chose. Tu peux parler? Non. Moi, au moins, je construis, je fais bosser des gens. Je crée de la richesse. Manger, c'est nécessaire. Pour ça, faut une cuisine. Vous, vous créez que dalle. Vous profitez du malheur des gens et vous rafaites l'oseille. Est-ce que je peux parler? Oui. Je respecte tout à fait votre métier. Ok. Lui, j'imagine que c'est pas simple comme boulot. Bah non. Ça requiert une certaine technique.
une rigueur. Vous faites du sur-mesure? Bah oui. On peut équiper n'importe quel espace, vous savez. Grand, petit, bah, comme vous, hein, chaque client est différent. Moi, quand je me déplace chez le particulier... Je vais Oui. Non, je vais pas vous emmerder avec le boulot. Oh, bah si, allez-y. Ouais. Non, je me demandais comme ça, pour faire cuisiniste, c'est combien de temps d'études? 15, 20 minutes? Ah, d'accord. C'était une vocation, vous vouliez faire ça quand vous étiez petit, non? Bah, y a beaucoup de gosses qui en rêvent, hein, cuisiniste, quand même. Allez-y, défoulez-vous, ça ne m'atteint pas. C'est un milieu qui fait fantasmer les gens, hein, quand même. Tiroir ou placard, vitro-céramique, induction... Ah oui, et puis la poubelle, là, accrochée à la portière sous l'évier, là, dont le couvercle s'ouvre quand on tire. C'est... Eh, vous bossez avec la NASA, hein? En tout cas, je vous tire mon chapeau parce que vous avez su rester super simple. Comment on dit, cuisinologue, cuisinothérapeute, je sais plus. Moquez-vous. Oui, je me moque, oui. Ça, vous saurez ce que ça fait, hein, que d'être jugé sur des a priori. Ouais, j'en ai marre du mépris qu'ont des gens comme vous pour des métiers comme le mien, pour ceux qui ont eu le malheur de faire des études. Cette chasse aux sorcières, là, très à la mode, hein, déguisée en bon sens populaire. Ouais. J'ai pas mon permis poids lourd, ça fait pas de moi un inutile. Au fait, je me demandais... Quoi? Non, je vais pas vous emmerder avec ça. Bah si, allez-y. Je me demandais, quand est-ce que le monde aura le droit de lire la suite des palpitantes enquêtes de Greg Carman, psy et séducteur? Eh oui, je suis au courant. Internet est rancunier. Je me suis même procuré un exemplaire d'occasion. 2 €. Ça doit être un déchirement pour la personne qui l'a vendu. Pour nourrir ses enfants, sûrement. Mm. Personne ne se séparait d'un bouquin comme ça. Oh là là, quel livre. Œdipe à Dieppe. Une enquête pittoresque qui emmène Greg Carman sur la piste d'un dangereux gang de faux monnayeurs. C'est bien pensé parce que Greg Carman, il se sert de son passé de psy pour résoudre des affaires. Et puis il y a des super idées. Hein. Par exemple, son chien, qui s'appelle Sigmund, comme Freud. Putain, où vous allez chercher tout ça? Bah, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais j'en ai pas honte. Et vous en êtes où? Quand est-ce qu'on va savoir si enfin il découvrira le nom de sa mère? J'ai bossé pendant 2 ans sur le manuscrit pour le tome 2, mais je laisse tomber, là. Ah non, vous pouvez pas faire ça, pensez à vos lecteurs. Le manuscrit est à mon coffre. Ah merde! Désolé. Mais vous aviez fait une sauvegarde sur une clé USB, non? Oui, oui. Dans le... Oui, dans le coffre. Je connais que c'est idiot, hein. C'est de ma faute. Vous pouviez pas prévoir que j'allais mettre une grenade dedans. Écoutez, je crois que vous avez rendu service à la littérature. Je serais incapable d'écrire un bouquin, moi. Rien que ça, c'est remarquable. Vous avez raison. Je suis un écrivain raté. Bah, vous la tenez, votre revanche. Hein? Et vous comptez y aller? Où ça? Bah, à Hollywood, quand ils vont faire l'adaptation. Je me demande qui va faire le rôle de Greg Carman. Bah, remarquez, hein, plutôt qu'à psy, j'aurais dû en faire un cuisiniste. Bah oui, pour le public féminin, le côté glamour. Elle me manque, vous savez. Dire que je ne l'ai jamais trompée. Vous vous rendez compte? J'étais fidèle, en plus. Et? Oh, je sais. Vous trouvez ça terriblement provincial, j'imagine, mais oui. J'ai pas trompé ma femme. Ouais, je répète ma question, hein. Et? Eh ben, c'est pas mal. Et attention, j'ai eu des propositions. Et j'ai résisté. Et des bonnes. Enfin, des bonnes propositions, j'entends. Oui, bien sûr. Avec des femmes bonnes, d'ailleurs. Que j'ai pas baisées. La classe. Excusez-moi. Que je n'ai point baisé. Donc, si je vous suis bien, votre femme devrait être reconnaissante parce que vous ne l'avez jamais trompée. Bah ouais, un peu quand même, ouais. Ouais, mais alors, faut aller plus loin. Parce que, par exemple, elle devrait être super reconnaissante parce que vous n'avez pas profané de tombe. Hein? Ou foutu le feu à une synagogue. Ou bouffé un gosse. Mm.
C'est un don, hein? Vous avez le don pour ridiculiser les propos des autres. Eh, mais j'y pense. Moi, perso, j'ai jamais gorgé d'autostoppeuse. J'ai le droit à un cadeau? Comment ça se passe? Vous avez très bien compris. Bah oui, oui. Ce que j'ai compris, c'est que vos exploits résident dans les choses que vous n'avez pas faites, quoi. C'est ahurissant. Je suis désolé, mais c'est parfaitement pas con ce que je dis. J'ai jamais sauté d'autres gonzesses, et ça compte dans un couple. Que ça vous plaise ou non. Et celles qui étaient open, croyez-moi, c'était pas des cagettes, hein. Les malheureuses, elles savent pas ce qu'elles ont raté, hein. Exactement. Pourquoi vous dites ça? Hein? Qu'est-ce que vous sous-entendez, là? Rien. Bon, ok, qu'est-ce que vous a raconté, ma femme? À quel sujet? Au sujet de moi. Ouais. Elle vous a raconté des trucs sur moi, des trucs physiques. Ok, je vois. Bon, alors, vous pouvez tout de suite arrêter de jubiler et ravaler ce petit sourire en coin, là. Je n'ai aucun problème avec ça, hein. J'ai passé l'âge d'avoir des complexes pour une histoire de taille. J'ai fait du foot, alors les vannes de vestiaire, je les connais, hein. Et puis les femmes s'en foutent. Il suffit pas d'avoir une grosse bagnole, faut savoir la conduire. Juste, pour info, hein, elle m'avait rien dit, hein. Mais merci pour la confidence, ça me fait plaisir. Et puis ça m'étonne pas. Je vous emmerde. Je vais dire que je peux pas le recevoir. Non, 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 on va faire mieux que ça. Je les connais pas, c'est un enfant avec sa mère. Ah bah encore mieux. Bon, vous pouvez faire ce que vous voulez, me faire péter, ça vous chante. Je ne ferai rien qui mettra en danger la vie d'un enfant. Moi non plus. Vous allez dire que vous annulez le rendez-vous. Parce que vous avez la colique. Vous allez dire, je peux pas vous recevoir parce que j'ai la colique. C'est lamentable, hein. Pas terrible, ouais. Non, mais c'est complètement puéril, c'est pathétique. Oui, mais c'est vous qui allez être pathétique. Je passe pour un con auprès de ma femme, vous passez pour un con auprès de vos patients, hein. Allez, on y va. Au moins, je peux dire colique néphrétique. Non, la colique du cul. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Romain. Bonjour. Je suis désolé, je peux pas te recevoir aujourd'hui. Ah bon, pourquoi? Parce que j'ai la colique. Satisfait? C'est oui. Ça va être dur à tenir, hein, votre numéro de victime, là. Parce que les brimades, c'est moi qui les subis. Eh oh. J'en ai assez bavé pour me payer un petit plaisir, hein. C'est pas grand-chose, mais ça soulage. Évidemment, hein. Me rabaisser, c'est pas grand-chose pour vous. C'est à ma femme que je pense, hein. Ma femme que j'aime et qui est partie, merci à vous. C'est crevant, hein, je vous le jure, je suis crevé, alors je le répète. J'y suis pour rien. Je ne m'engage pas personnellement dans mes relations avec les patientes. Ah, d'accord. En fait, le principe de la thérapie, c'est que ma femme vous raconte des trucs super intimes, mais ça vous concerne pas. Et ben voilà. Vous êtes son copain pédé, en fait. Eh ben, voilà. Non, je dis que vous êtes comme son copain pédé. Elle vous raconte ses petits secrets, comme une copine. Je comprends toujours pas, vous êtes en train de me traiter d'homosexuel. Il y a pas de mal à être homo, vous savez. Ah bon, c'est vrai, c'est pas une maladie, alors. Oula, sujet sensible, apparemment. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de me traiter, en même temps, d'homophobe et d'homosexuel? Vous vous rendez compte de ça? Non. Vous voulez que je vous dise un truc? Elle a bien fait de partir, votre femme. Parce que vous pensez pas à elle. Vous pensez qu'à vous. J'ai toujours pensé à elle. Non, c'est pas vrai. Ce qui vous fait souffrir, c'est votre blessure narcissique. C'est pas son départ. Oh, ça va, épargnez-moi votre charabia, là, hein. Est-ce que vous êtes intéressé à elle dernièrement? Est-ce que vous vous êtes demandé comment elle allait? Ben oui, évidemment. Alors, vous savez qu'elle était malheureuse. Ah. Je vous l'apprends, manifestement. Ben, on a tous des coups de blues, hein. Et de l'anorexie. Quoi? L'an dernier, au printemps. Elle avait perdu un peu de poids. Ben, elle faisait un régime, hein. C'était pas un régime. Et comment j'aurais pu savoir, moi?
Je sais pas, à la regarder, l'écouter, enfin je balance des idées, je suis que psy. Et ça va mieux? Oui. On a bien travaillé, oui, on a bien avancé. Ah, c'est pour ça, depuis quelques mois, je me disais qu'elle avait repris du cul. Oh putain. Mais c'est une bonne nouvelle. Bon, c'est vrai, j'avais rien vu. Ben, c'est peut-être une piste qui pourrait expliquer la rupture, non? Il y a des trucs qui nous échappent parfois. Hein, oui. Je travaille, moi. Vous connaissez le concept de la sueur? C'est quand on fait un effort physique, la peau se mouille. Vous fatiguez pas, hein, j'ai compris. Le héros prolétaire contre le bourgeois décadent, je connais pas la sueur, bien sûr. Enfin, si, vous connaissez. Mais par le tennis. Mais oui. Puisque je lis des livres, je sais pas planter un clou, c'est logique. Je suis certain que vous savez planter un clou. Eh ben, on progresse. Mais pour accrocher un tableau. Un petit tableau de l'île de Ré. L'île de Ré. L'île de Ré. L'île du bonheur et du petit pull marin. Très bonnes ces huîtres. Petit goût de noisette, on dirait. Elles sont bio, non? Oui, évidemment, on a l'île de Ré. Vous avez vu le beau bateau là-bas? Oh, il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Des beaux voiliers, bien bio, bien équitables. À l'île de Ré, tout est bio, hein, même la mer. Oui, dans le sud, elle est plus chaude, c'est vrai. Mais ici, c'est mieux, c'est froid. On se l'écaille et on fait du vélo. Pas de scooter ou de la mobylette, hein, non. Nous, on se déplace qu'en vélo. Parce qu'on respecte la nature. Mais surtout parce que c'est plat. J'aimerais bien les voir dans les Pyrénées, aller chercher leur baguette en vélo, là, avec leur petit pantalon blanc. Et puis comment on peut mettre un pantalon blanc sans le tacher, d'abord? Et puis les huîtres, ça pas un goût de noisette, sinon les écureuils, ils en mangeraient, hein. Les huîtres, ça a le goût des huîtres, non? Alors, je sais pas ce qui s'est passé à l'île de Ré, hein. Mais si un jour vous consultez un confrère, ce que je vous recommande vivement, hein, ce serait peut-être pas inutile d'aborder le sujet. Vous me prenez pour un paumé, hein. Je sais que je déconne. Je dors plus, je bouffe plus. Je pense à elle tout le temps. Tout me fait penser à elle. Quand je regarde des fleurs, je veux bien. Mais les travaux du tramway, ça fait penser à elle. Au bout d'un moment, ça rend con, hein. Et si la femme de votre vie vous avait quitté, vous verriez. Elle l'a fait. Si vous croyez qu'un psy, ça peut pas se faire plaquer. Vous avez pas menacé quelqu'un avec une grenade, vous? Non, mais... j'ai pas forcément réagi intelligemment non plus. Pourquoi elle est partie? Vous étiez pas aussi irréprochable que moi, question fidélité, je parie. Pourquoi vous dites ça? Beau parleur, fringué, petite coupe... Ouais, petite coupe... Ils sont propres, hein, c'est peut-être ça que vous trouvez sophistiqué. Et puis le côté j'ai du goût, là? Ah, ça c'est de l'art tribal africain. Ah ouais, c'est pas suisse? Oh non, merde, c'est reparti, non. Je croyais que c'était un guerrier suisse, moi. Avec son pagne et sa sagaie. Allez, je suis sûr que ça doit plaire aux nanas, le petit côté confident. Parlez-moi de vous. Disons que j'étais pas le mari idéal. Voilà. Et l'alcool, ça arrange rien. Quoi? Attention, je juge pas. Hein. Qu'est-ce qui vous dit, j'ai un problème avec l'alcool? Le stock de bouteilles de vodka dans le placard, pour commencer. Et puis les pastilles à la menthe, là, sur le bureau. Oui, bah, j'aime bien boire un verre de temps en temps, voilà. C'est vrai qu'à la fin, avec Muriel, j'ai un peu abusé. Bon, bah, j'imagine que je dois vous féliciter pour votre perspicacité. Je vous demande rien, moi, je constate, c'est tout. Eh bah, c'est bien observé. Bon, et après, qu'est-ce que vous avez fait quand elle s'est barrée? Souffert, principalement. Puis, vous avez pris du recul. L'avantage d'être psy, vous avez gambergé. On fait tous des trucs pas terribles quand on est mal. Oui, je confirme. Moi, je lui ai envoyé des poèmes. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Un peu fleur bleue pour moi, mais pourquoi pas. Hein. Moi, c'était pas du tout fleur bleue, non. C'était des rimes en hutte et en alope. Ah oui. Ouais. Ouais, ouais. Ouais.
Des beaux alexandrins, bien chiadés et bien dégueulasses. Bah, puisqu'on est dans l'indéfendable, hein, je peux vous le dire, moi, pour me venger, j'ai envoyé des dizaines de selfies à sa mère. Ah, les selfies, j'aime pas, ça déforme le visage. C'était pas mon visage. Pas fleur bleue non plus. Alors moi, là-dessus, j'ai eu du bol. Hein. Ma belle-mère, elle m'adorait. Oh. J'étais comme son fils, quoi. C'était limite gênant. Ah bon, elles sont heureuses, voilà. Moi, elle aurait juste pu choisir quelqu'un d'autre qu'un confrère, mais... Ah d'accord, c'était un psy aussi? Et vous le connaissez sûrement, il écrit des bouquins, il a une chronique à la télé. Ah oui, c'est le mec, là, il est très bon. Oui, oui, ma mère a lu son bouquin, ça l'a vachement aidé. Comment il s'appelle? Le Galec. C'est ça, le Galec. Il paraît que c'est super, son émission. Je l'ai pas vu, mais il paraît que ça cartonne. Mais oui, son bouquin cartonne, son émission cartonne, comme son cabinet, enfin bref, comme tout ce qui touche. Quoi. Y compris votre femme. Non, désolé, c'était lourd, ça. Bon. Vous avez raison, il couche avec ma femme. Hein. Pas ceci près que... C'est plus ma femme, maintenant, c'est la sienne. Je suis sûr que c'est un con. Il a une maison à l'île de Ré. Je parie que c'est un sportif. Marathon de New York. Enculé. Une fois, je lui ai crevé les pneus pendant son émission. Bien fait pour sa gueule, ça. Bah ouais, comme son émission est en direct, j'étais tranquille, il risquait pas d'arriver, quoi. Ah bah imparable, direct, hein. Enfin, sauf quand ça tombe le jour de l'opération commando contre Ben Laden et que ça interrompt toutes les émissions. Donc il est arrivé, en fait. Ah, il vous a chopé pendant que vous lui creviez les pneus? Non, non, j'avais fini, là. J'étais en train de fignoler. Comment ça? Je pissais sur sa portière. D'accord. Vous marquez le territoire. Et c'est là que vous lui avez foutu votre poing dans la gueule. Il y a eu un coup de poing. Il m'a pété dedans, celle-là et celle-là. Ça m'a coûté 3 000. 3 000? T'as les dentistes aussi, c'est de la belle saloperie, ça, tiens. Mais bon, après, vous vous êtes défendu. J'ai porté plainte. Et vous avez? Perdu. Décidément, ce Ben Laden, hein. C'est elle. Qui ça? La votre femme. Ah, ok. Mais quoi, ok, et oh, je lui dis quoi, moi? C'est vrai qu'elle va pas revenir avec moi en 20 minutes, hein. C'est bien, vous avez progressé, vous rendez compte, vous avez fait un grand pas, bravo. On n'influence pas les gens si peu de temps comme ça, ouais. Bien sûr. Juste, faut pas qu'elle parte avec Morel. C'est qui, Morel? Bah, Morel. Le mec avec qui elle part en week-end à Lisbonne. Ah d'accord, elle vous a pas parlé de Morel? Oh, je rêve. Si, peut-être. Bah non, pas peut-être, elle vous en a parlé ou pas? Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, hein, 2 fois par semaine. Et on n'a jamais parlé, elle a jamais abordé le sujet. Mais moi, on me dit rien à moi, alors! C'est juste bon à m'asseoir derrière, là, comme un pot de fleurs, faire... C'est qui, ce Morel? Bah, c'est mon Le Galec à moi. Une espèce de beau mec à la con. Un queutard. Le mec tient carrément des listes. Des listes? Des listes, des gonzesses qui l'attrapent. Avec des notes. C'est pas le mec bien. Mais ils sont ensemble? Pas encore. Mais si elle part à Lisbonne avec lui... Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je la ligote? Que je lui confisque les billets? Vous vous démerdez pour la convaincre de ne pas partir à Lisbonne avec lui? Mais je me démerde, même si ça n'intervient pas comme ça. Puis manipuler quelqu'un, déontologiquement, c'est parfaitement scandaleux. Ça limite, on s'en fout, mais surtout, c'est hyper dur. Il faut être bon. Mais vous êtes bon! Je vais passer pour savoir, je sais pas. Enfin, bon ou pas bon, faut pas se stresser, hein? On dit qu'on essaye. Si vous y arrivez, c'est super. Sinon, tant pis, on aurait essayé. J'essaye. Oui, bah voilà, vous essayez. J'essaye. Ouais, super. Génial. Allez. Voilà. C'est bon, ça, c'est bon. Champion. Hein? C'est bon, moi. Eh oh! Attention, hein. Allez. Oui. T'es un champion, champion. Bonjour. Bonjour. Vous m'aviez oublié. Ah non, ça risque pas, non? Ce serait pas surprenant, remarquez, depuis que je suis petite, tout le monde m'oublie.
Vous allez bien? Je suis un peu... Je vous écoute. J'ai quitté mon mari. Eh bien, c'est tout l'effet que ça vous fait. On dirait que ça vous étonne pas. Ce qui m'étonne, c'est que vous m'en parliez. Comme j'ai les infos au compte-goutte. Comment? Bref, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Du soulagement. Un genre de... relâchement. De la lassitude aussi, mais avec des moments de détente. D'euphorie, presque. C'est comme un buffet campagnard d'émotions et moi je pioche un peu par-ci, par-là avec mon assiette en plastique. Je picore. Enfin, je ne me plains pas, hein. C'est pas désagréable au final. Hein. Je me recentre, je traîne et je profite de mon célibat. Hier, j'ai passé l'après-midi à faire l'aller-retour entre le frigo et le canapé, en peignoir. Je crois que je suis en train de me préparer une bonne petite dépression, moi. Pas forcément. C'est peut-être l'occasion de vous poser des questions sur des décisions récentes, un peu précipitées. Elles sont pas très existentielles, les questions que je me pose. Hein. C'est pas vraiment la vie, la mort. C'est plutôt vanille, noix de pécan ou chocolat pistache. Ce n'est peut-être qu'une féconde phase de réflexion. Féconde phase de réflexion, eh oui. Ça fait chic quand vous le dites, mais en vrai, c'est plutôt une pauvre fille en peignoir qui fait rien de son samedi. Enfin, pas tout à fait rien. Je passe des heures au téléphone comme une ado. D'ailleurs, elle a recommencé, évidemment. Elle me parle tout le temps de lui. Alors, c'est pas franchement des reproches, hein, c'est plutôt des questions négatives, vous voyez. Pourquoi tu l'as pas quitté plus tôt? Tu t'attendais à quoi, ma pauvre fille, avec un type pareil? De toute façon, quoi que je fasse, ça va pas. Non mais il faut vous dire, ma mère et lui, elle l'appelait le marcassin. C'était peut-être affectueux. Ah non, elle le trouvait porcin. Ah. En plus, il cherchait toujours sa compagnie, ça l'insupportait. Elle le méprisait. Alors moi, au début, je le défendais, j'en voulais même à ma mère, mais... Maintenant, je sais plus, j'ai l'impression d'être confuse, de mal agir. Mal agir? Je sais que j'ai fait le bon choix, mais j'ai perdu du temps. J'aurais dû vous écouter avant. Vous aviez raison. Mon mari, c'était plus un obstacle. Revenons à votre mère. Elle était du même avis que vous. Hein. Alors moi, au début, je savais pas trop. Je résistais. Vous m'avez ouvert les yeux. Je peux vous le dire maintenant. Sans vous, je crois que je serais encore avec lui. Ah non. Vous vous trompez, je ne prends jamais position avec mes patients. Mais ne soyez pas modeste. Vous m'avez vraiment aidée. Merci. Bon, ça m'a un peu surprise, hein, quand vous m'avez dit « quittez votre mari ». Ah non, ça j'ai pas... Attention! Ça va? Non, je suis un peu... Attention! On avance ou pas? On perd du temps, là. Ben, je sais, mais vous intervenez beaucoup aujourd'hui. Une thérapie, ça évolue. Ça évolue. Pas mes angoisses, hein. Toujours les mêmes. Toujours la peur, la tristesse, toutes ces questions. Ce que je désire vraiment. Ce que j'aime vraiment. Pas ce qu'on m'a dit d'aimer, non, ce que j'aime, moi. C'est sûrement une question d'âge. Un moment dans ma vie, comme si tout était en suspens. Et puis je me sens pas à ma place. À quoi ça sert tout ça? Lutter sur tout, sa liberté, son métier, son couple, se sentir jugé tout le temps, je suis fatiguée. Oui, reprenez. Ben, j'ai encore fait mon cauchemar. Vous savez, avec le lierre, la maison vide et les palourdes. C'est comme si je me perdais. Mais cette fois-ci, ça finissait différemment. J'étais sur une plage déserte, c'était vide, il n'y avait personne. Déserte, oui. Mais je me sentais complètement enfermée. Le sol était mou, mais ça me faisait mal aux pieds, je ne sais pas comment dire. Il y avait des poissons qui séchaient sur des filets. Un clocher d'église aussi. Et à l'intérieur, un animal qui me regardait. Vous savez, un de ceux qui vit dans les ruisseaux, près des marais.
Un furet? Non, 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 avec une longue queue. Un castor? Non, une longue queue, mais pas plate. Bah, une loutre? Non, non, non. Bah, je sais pas, une belette? Mais non, une belette, c'est mignon, quelque chose de moche, vraiment, avec une longue queue. Ah, un ragondin? Un ragondin, merci. De rien. Il me voulait pas de mal, le ragondin, mais il me regardait. Durement. Il me jugeait, je sentais bien pour lui, il faisait tout mal. À qui vous faisait-il penser, ce ragondin? Mon mari. Poursuivez. Après, j'ai senti que mes jambes perdaient tout leur poil. Alors, au début, ça me plaisait, hein, c'était bien pratique. Mais après, je voyais qu'il restait des trous, de plus en plus grands. Et mes jambes s'effilochaient, vous savez, comme le fromage dans la fondue. Et ça avait une drôle d'odeur, ça, comme du plastique brûlé. Ça sentait le vieux qui transpire. J'étais si malheureuse dans ce rêve. Tenez. Oh, merci. Oh, et ma mère! Parlons d'autre chose. Ça vous intéresse pas, ce que je raconte? Ben, parfois, il faut provoquer un peu, débloquer des blocages affectifs. Est-ce qu'il y a des sujets que nous n'avons jamais abordés ensemble, des projets? En fait, je crois que je vais en rester là pour aujourd'hui. Non, pourquoi? Là, c'est bien, je suis content. Là, là on avance, là. Hein. Là, on est sur un nœud thérapeutique, c'est pas le moment de lâcher. Hein. Allongez-vous et formulez. Mais formulez. Pourquoi? Parce que vous refoulez des sentiments enfouis. De quel genre? Je sais pas, des fantasmes, des désirs, des désirs de voyage. Oh, mais je pars en week-end. Mais bon, c'est pas vraiment quelque chose que je refoule. Vous voulez en parler? Non. Parlons-en. Pas grand-chose à en dire, vous savez, je pars en week-end, c'est tout. En avez-vous vraiment envie? Bah oui, sinon j'irai pas. Mais ce que vous dites, c'est un murmure. Et ce que vous ne dites pas, c'est un cri. Et là, vous criez, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Non, je n'ai pas envie d'aller à Lisbonne, voilà ce que vous criez. Comment vous savez que je vais à Lisbonne? Déduction élémentaire, je suis psy. Bah, je suis psy, hein, vous savez, j'ai quand même l'habitude de déduire toutes sortes de... Mais expliquez-moi. Il y a tout un ensemble de signes, de comportements très, très éloquents pour qui sait les lire, voilà. Et par exemple? Par exemple, bah, vous êtes entré avec votre sac à main sur l'épaule droite. Ça m'étonnerait. Et si, pourtant, vous avez oublié, mais moi, ça ne m'a pas échappé. On est formé pour ça, vous savez. C'est un sac à main sans lanière. Je ne peux pas le mettre à l'épaule, ni la droite, ni la gauche. Oui, ce qui est sûr, c'est que vous êtes allongé sur le divan. Et ça, c'est de la communication non verbale. Bah, je m'allonge toujours sur le divan. Si vous me contredisez tout le temps, on ne va pas s'en sortir. Hein. Comment vous savez que je vais à Lisbonne? Mais intuition, je vous connais depuis le temps. Deux ans, deux fois par semaine. Hein. Et puis j'aurais pu dire Rome, Saint-Pétersbourg, Madrid... Mais je sais toutes les villes que vous auriez pu dire. Moi, je vous parle de celles que vous avez dites. Bah, Lisbonne, c'est très bien. Et puis, c'est très beau. Faut voir les bords du Tage entre chien et loup. Hein. Puis les vieux tramways qui serpentent dans les rues pavées, c'est magnifique. Mais comment vous savez que je vais à Lisbonne? Mais quel problème, vous voulez plus y aller? Mais c'est pas ça, expliquez-moi comment vous avez trouvé, je vous en ai jamais parlé. Vous n'alliez pas partir en week-end à Hanovre, hein? Bon, voilà, Lisbonne, c'est très bien. Puis c'est la destination typique pour un week-end en amour. Mais je vous ai jamais dit que j'y allais avec un homme. En êtes-vous sûr? Bah oui. Bah j'ai deviné, voilà, il n'y a rien d'extravagant, imaginez une escapade en amoureux dans la période que vous traversez. Oh, pas faux, bien deviné. Eh bien justement, les devinettes, ça va bien. Parce qu'à un moment donné, moi, vous comprenez, j'ai besoin de savoir les choses. Parce que les patients se succèdent là sur mon divan, me racontent leurs petits problèmes, leurs petits malheurs. Hein. Et moi, on ne demande jamais si ça va ou si ça va pas. Hein. Eh ben ça va pas. Je passe pas une journée facile, facile, moi. Alors là, on était sur un nœud thérapeutique, c'est pas le moment de lâcher, merde. Ça va? Excusez-moi. Je suis un peu sur les nerfs aujourd'hui. Vous voulez qu'on en parle? Non. Poursuivez.
Non, vous poursuivez. Comment vous savez que je vais à Lisbonne? Pourquoi cet entêtement? Mais pour comprendre... Non, mais qui m'interroge? La femme? La petite fille que vous étiez? Quoi? Elle voulait savoir le secret des grandes personnes, cette petite fille. Je vous suis pas, là. Vraiment? Hein? Et Pousset? Mais, pourquoi vous me parlez de mon petit chien? Comment il va, Pousset? Il est mort quand j'avais 7 ans, je vous l'ai dit 50 fois. Et mamé? D'abord mon petit chien écrasé, et puis ma grand-mère, je crois qu'on s'éloigne. De mamé et de Pousset? Mais non, pas de mamé et de Pousset. C'est de sa faute à cette petite fille. Quoi, si mamé et Pousset sont morts? Non. J'avais 7 ans, mais parfois, quand on est enfant... Et le divorce de ses parents, elle est responsable, la petite fille? Non. Ça vous a fait de la peine quand il a fallu déménager et que papa est resté seul dans son garage, seul avec ses outils? Elle avait beaucoup de chagrin, cette petite fille. Et moi, ce que je voulais dire à cette petite fille, c'est qu'elle n'est pas responsable du départ de Pousset, de mamé, ou du divorce de ses parents. Cette petite fille, elle n'est plus seule. Elle s'est trouvée. On reprend? Parce que vous le savez... Le passé, ce sont les choses qu'on ne peut pas changer. Et là, nous sommes dans le présent, vous êtes aux commandes, enfin, vous êtes une femme qui dirige sa vie. Vous quittez votre mari, vous partez en week-end à Lisbonne, vous êtes sûre de ce que vous voulez réellement, hein? Eh bien, ça, c'est bien. Oui, c'est bien. Puis si vous partez à Lisbonne avec ce monsieur, là, c'est qu'il vous apporte du bien-être. C'est vrai que c'est quelqu'un avec qui je me sens bien. Il s'est encore rien passé, mais bon, ça fait des mois que je le fais poireauter... Il me téléphone, il m'envoie des fleurs. Mon mari aussi m'envoyait des fleurs, mais toujours le bouquet du fleuriste d'en bas, vous savez, toujours le même, le tout prêt, avec le pot tout pourri. Alors je sais bien que Morel, enfin, Damien, a une réputation de dragueur. Je suis au courant, hein, mais bon, je crois que j'ai envie de craquer. Vous avez beaucoup souffert avec votre ex-mari, et vous vous reconstruisez auprès d'un homme qui, lui... peut vous apporter du bonheur. Oui, enfin, je dirais peut-être pas ça comme ça. Hein. Je sais ce que je dis, laissez-moi faire. C'est pas la peine de m'engueuler, vous êtes très dirigiste aujourd'hui. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que vous abordez une nouvelle étape dans votre vie. Voilà. Je sais pas, pour l'instant, j'ai pas envie de regarder si loin, je me pose pas de questions, j'avance. Qu'est-ce que vous voyez au loin? Je sais pas, comme tout le monde, avoir une belle vie, être amoureuse, voyager, je sais pas. Vous savez pas? Si, je sais. Vous savez finalement, on peut peut-être en parler. Déjà, vous partez en week-end avec ce monsieur à Lisbonne, là, c'est déjà un projet, c'est formidable, ça. Oui, enfin, c'est juste un week-end, hein. Et puis Lisbonne, c'est une ville qui m'a toujours plu, alors... Bon, j'avais pas prévu d'y aller, mais en fait, tant mieux, hein, j'en ai toujours rêvé. Avec Damien Morel? Ah non, non, pas particulièrement avec lui, non. Enfin, le hasard fait bien les choses. Une escapade en amoureux, c'était votre désir profond. Et vous faites en sorte qu'il se réalise. Oui, enfin, peut-être pas exagérer, c'est juste un week-end avec un mec. Hein. Damien Morel. Oui, Damien Morel qui a dragué la terre entière. Il a fait pareil à toutes les filles que je connais. Il a peut-être changé. Ah non, ça, il a pas changé. Les gens changent pas, hein, je peux vous le dire. Mon mari m'avait promis de changer, il a pas changé. Ah si, si, physiquement, il a grossi. Peut-être pas Damien Morel. Mais si, Morel comme les autres, c'est un mec. Hein. Mais de quoi on parle là, de s'amuser? Vous avez le droit de vous amuser, non? C'est interdit? Non, non, c'est pas interdit. Ah, c'est pas interdit? C'est pas interdit, mais 2 jours, ça peut aussi être long avec quelqu'un comme Morel, un type qui collectionne, parce que c'est ça. Bah, il collectionne, il tient pas des listes quand même. Si, justement. Un jour, j'ai appris qu'il notait tout. Alors sans doute pour jouer au coq devant ses copains. Si on a envie d'être la 34e de l'année... Et encore, on est qu'au mois de mars. C'est pas grave. Croyez pas que vous lui faites un procès d'intention, hein? Mais non, je sais très bien qu'il veut m'emmener à Lisbonne, juste pour me sauter, j'ai pas de doute là-dessus. Hein.
Si c'est juste pour ça, pas besoin d'aller si loin, hein. Mais c'est juste pour ça. Vous le connaissez pas, c'est un quiotard, je vous dis. C'est le genre de mec pour qui une nana est un bout de viande. Faut pas se raconter des... Vous disiez ? Non, mais je disais qu'il faut pas se raconter des histoires. On va rester là pour aujourd'hui. Vous êtes bizarre comme psy. Pourquoi ? Ben je sais pas, on vient vous voir, on a envie d'aller au Portugal et on repart, plus du tout envie. Qu'est-ce que vous avez contre les Portugais ? À la semaine prochaine. Et voilà le travail. Ah non mais vraiment, alors là, j'applaudis. Chapeau l'artiste. C'est juste un métier, peut-être un petit peu d'expérience. Non, sans déconner, bravo, mais bravo quoi. Et je retire ce que j'ai dit, c'est beau là. Ben, ça, c'est sûr que c'est autre chose que la télé, hein. Moi j'ai pas besoin de me faire maquiller comme une gonzesse. Mais ouais, dans son cul, le galec là. Ben, tiens. Et l'autre là, Lisbonne, le Morel là. Mais dans ton cul, mon cil. Eh mais j'ai flippé, hein, vous avez vu, j'ai failli la remettre à l'eau. Hein, quand... Ouais, c'est comme à la pêche, là. Quand ça mord un coup, faut pas tirer d'un coup, sinon ça casse. Vous relâchez doucement, laissez revenir doucement, et là, que là, l'épuisette. Bon, j'étais parti un peu trop vite, j'étais pas très à l'aise, normal, la grenade. Ah, oui. Tenez, et voilà. Et j'en ai pas d'autres. Hein. Merci. Et vraiment, bravo, quoi. Bluffé. Hein. Non, mais c'est pas un mec pour elle se raconte des histoires. Non, non, Christelle, c'est une fille fine, classe, intelligente. C'est une femme qui a besoin d'être sollicitée intellectuellement. Non, Christelle, c'est une femme qui... Qui ? Ouais, non, c'est-à-dire qu'elle est dans un déni qui ne correspond pas à sa réalité. D'où un choc quand elle atterrit. Enfin, ce que je vous dis, le déni, c'est très technique, mais c'est hélas très classique. Hein. Elle a de la chance de vous avoir. Ben, c'est gentil, ça. Ben, je ne suis que son psy, hein, j'ai fait de mon mieux. Moi. Comment ça ? Quoi, comment ça ? Ben, je suis juste son psy, quoi. Et c'est quoi l'inverse d'être juste le psy d'une femme ? Je comprends pas la question, là. C'est quoi l'inverse d'être juste le psy ? C'est être son psy et un peu plus ? Ben, je vois pas pourquoi on parle de ça, je vois pas l'intérêt, là. Mais qu'est-ce qui vous gêne dans la question ? Mais qui me gêne dans la question ? C'est juste que je la trouve bizarre, votre question, c'est tout. Vous croyez quoi, que je suis amoureux de votre femme ? Ah ben, c'est pas moi qu'on parle, hein ! Ah non, hein, vous n'allez pas me faire le psy-psychanalysé, hein, on n'en est plus là. Votre femme est une femme formidable, on est d'accord là-dessus, mais bon, c'est une patiente et j'ai pas l'habitude de tomber amoureux de mes patientes. Ah, c'est ça votre réponse ? Ouais. C'est « j'ai pas l'habitude de tomber amoureux de mes patientes ». Bah c'est vrai. Ah, mais je suis sûr que c'est vrai. Vous n'en avez pas l'habitude ? Ce que je crois aussi, c'est qu'il y a une seule réponse correcte et que vous ne la dites pas. Ah bon, mais c'est quoi la réponse correcte ? C'est « je ne suis pas amoureux de votre femme ». Et ben voilà. Et ben dites-le ! Et oh, je suis pas votre perroquet, hein, déjà. Et puis, tomber amoureux de sa patiente, c'est le meilleur moyen pour foutre en l'air une thérapie. Il faut pas être ridicule quand on est amoureux de quelqu'un. Hein, on est bien placé pour le savoir, sinon c'est qu'on est en plein dans le déni. C'est votre femme. Qu'est-ce qu'on fait ? Ok, placard. Vous avez oublié quelque chose ? Non. Enfin, oui, j'ai oublié de vous demander quelque chose. Oui ? Ça fait longtemps pour mon mari ? Je comprends pas. Ah ben, c'est plutôt simple à comprendre. Est-ce que ça fait longtemps que mon mari vient ici ? Je veux dire, c'est juste cette séance ou c'est depuis le début ? J'imagine qu'il est planqué quelque part ? Non. Alors, je vous disais, pour votre cuisine. Du mélaminé pour le plan de travail, avec juste un revêtement inox de 2 mm. Oh, Christelle, qu'est-ce que tu fous là ?
on est très très free au niveau du secret professionnel, là, non? Ok, pourquoi t'es revenue? Ben, très simple. D'abord, il n'était pas comme d'habitude. Et puis d'un coup, dans la rue, j'ai eu le sentiment que, même si vous aviez raison quand même, vous aviez une idée derrière la tête. Et puis il y avait ta voiture garée en bas. Ben quoi, des Picasso blancs, il y en a partout, hein? Avec un autocollant, j'emmerde les dentistes. Vous êtes bien foutus de ma gueule, les deux, là, hein? Ça fait longtemps que vous avez monté votre petit coup? Il n'y avait rien de prémédité, hein. Il s'est fait passer pour un patient. Il m'a forcé. Ben, vous n'avez pas résisté beaucoup, on dirait. Il m'a menacé. Il a une grenade. C'est limpide. Non, mais là, évidemment, c'est moi qui l'ai, mais c'est lui qui l'a apporté, hein. Dites-le, héros. C'est vrai? C'est complètement con, tu t'en rends compte? Ça, je suis pas sûr qu'il s'en rende compte. C'était un geste désespéré, voilà. Ouais. Ça te ressemble assez, ce côté désespéré. Mais toi, c'est plutôt désespéré bourrin. Bien sûr. C'est comme le côté salope qui se barre avec le premier connard venu quand son mec est à terre. Ça te ressemble assez? Mais mon petit chéri, tu sais qu'il y a des hommes à qui ça n'arrive pas. Il n'y a pas un truc que j'ai pas fait pour toi. Pas un. C'est une réplique que t'avais préparée, ça. Hein? T'en attends quoi, au juste? Je dois tomber dans tes bras, demander pardon? Mais comment j'ai pu vouloir récupérer ça, moi? Je vous demande pardon pour mon ex-mari, vous n'y êtes pour rien. Hein? Si vous voulez porter plainte, je comprendrai. Bon, ça, aller pleurer chez les flics, je suis sûr qu'il sait faire. Hein? Ah, vous voulez jouer à ça, vous, d'accord? Tout à l'heure, il a dit que vous aviez pris du cul. D'accord, alors on y joue. Très bien. Alors, il faut que tu saches, ma chère épouse, que ton psy est amoureux de toi. Toi, ta gueule, toi, tu fermes bien ta gueule, toi, hein? Hein? De quoi il parle? Il parle pas, il ferme sa gueule. Il faut dire les choses, non? Si depuis 2 ans, ce monsieur te pousse insidieusement à me quitter et à m'effrayer, pardon de revenir là-dessus, c'est peut-être pas très élégant, mais au bout de 2 ans à raquer, ça fait un petit peu mal aux cuisses, hein? Eh ben, c'est tout simplement parce qu'il est amoureux de toi. Voilà. C'est vrai? C'est pas faux, hein, c'est... Encore une réponse de bonhomme? Je te l'ai dit de fermer ta gueule à toi. Mais ça fait longtemps. C'est la première fois que ça m'arrive, vous avez raison, c'est inexcusable, c'est complètement déplacé. Je vous demande pardon. Bon, du coup, ma tranche horaire est libre, hein. On va partir de l'idée que la thérapie avec vous, c'est fini, hein. Ça me paraît un peu plus... Attends. Moi aussi, je te demande pardon. Je sais que j'ai merdé. Bravo. T'as trouvé ça tout seul? Non, pas tout seul, non. Je sais que j'y suis pas pour rien si tu m'as quitté, voilà. Eh ben, tu vois que c'est pas si inutile que ça, un psy. Je pense aussi que t'es narcissique, puéril et un brin casse-couille. Et puis ça fait aussi 2 ans que tu veux pas répondre à ma question de pourquoi tu veux pas d'enfant. Quoi? Elle veut pas d'enfant? Elle vous l'avait pas dit? Mais alors moi, on me dit carrément rien! Je pense aussi que t'as essayé de me changer et que ça a pas marché. Alors tu me fais porter le chapeau et c'est dégueulasse. Eh ben tu devrais te réjouir de notre rupture alors. Allez, salut! Non, je me réjouis pas. Et je regrette pas non plus de t'avoir dragué, tu vois. Mais c'est moi qui t'ai dragué, mais bon, c'est pas grave. Bon, enfin, c'est moi qui t'avais invité, hein. Non, mais c'est moi qui ai dit tout haut que j'étais libre le vendredi soir en te regardant, mais bref, on n'en est plus là, hein. Oui, mais c'est moi qui me suis arrangé pour que tu sois invité à cette soirée, parce que je te signale que sans mon pote oui, Richard... Mais on s'en fout, là, vraiment! Bref, je dis pas que t'as tout à fait tort dans tout ce que tu me reproches. Et c'est ton droit de me reprocher des trucs. De me quitter aussi, voilà, t'as le droit de plus m'aimer. Ça fait chier, mais je peux rien y faire. Je voulais juste te dire que je suis heureux des années qu'on a passées ensemble. J'en suis fier même. Que je les prends comme un joli cadeau que tu m'as fait. T'es une vraie femme. T'es bien, quoi. T'es chouette. Ta décision est prise, faut la respecter. Ta décision est bien prise? Ah non, mais c'est bien, hein. C'est juste parce que si t'hésitais, on sait jamais, tu vois.
Si jamais t'avais été super ému parce que je viens de dire, que tu te dises, tiens, il est génial ce mec, en fait. Il n'y a que les imbéciles qui ne cherchent pas d'avis. Bref, là, il a l'air de se tirer une balle dans le genou, mais il a plutôt progressé, c'était émouvant, non? Qu'est-ce que vous ressentez? Bah, d'un côté, ça soulage, mais d'un autre... Mais pas toi, putain, pas toi! Ah. De la colère, de l'émotion, je sais pas trop, là. Hein. J'avais un week-end tranquille, sans complications, à éventuellement me faire un beau mec en regardant la mer. Et là, je me retrouve avec 3 mecs sur les bras. Et l'un d'eux, c'est mon psy. Mon psy qui était censé soigner, réparer les choses, pas rajouter du bordel au bordel. Non mais arrête de l'engueuler. Le mec, il tombe amoureux de toi, il est pas très bien en ce moment, c'est normal. Ouais, ça va. Et tu savais, toi, qu'il est claustro? Oh, bon, ça va. Comme quoi? Bon, je reconnais que ça me flatte. Je crois qu'on a bien avancé. On va en rester là pour aujourd'hui, parce que j'ai pas mal de trucs à digérer, moi. C'est curieux, hein. Je sais pas si c'est le fait d'arrêter la thérapie ou tout ça, là, mais j'ai presque l'impression d'être plus légère que tout à l'heure. Alors, bien sûr, si je me laisse aller, hein, je peux pleurer un ou deux jours, mais sinon, dans le fond, ça va, hein. Ça va. Sauf que j'ai plus vraiment envie d'aller à Lisbonne, moi. Hein. Trop chargée, effectivement. Je pourrais plus regarder un tramway sans penser à vous deux, et puis les bords du Tage entre chien et loup, toute seule. Je vous embrasse pas, mais le cœur y est. Ben voilà. On est là, tous les deux, à la regarder partir. Ouais. Ben au moins, Morel, il l'aura pas. Pas nous non plus, hein. Bon ben, je vais y aller, moi. Je voudrais pas m'imposer. Vous partez aussi? Le mardi, c'est calme. Désolé pour tout ça, hein. Bon, non, vous savez, de toute façon, je crois que... je vais tout changer, là.